De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander : quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse : voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le premier de tous les commandements, c'est d'écouter. Écouter, c'est s'ouvrir, recevoir. Recevoir qui, quoi ? La parole de Dieu, le Verbe fait chair, Jésus lui-même. Alors ouvre-toi et reçois. Jésus te dit, je t'aime, tu as du prix à mes yeux, tu es infiniment précieux, précieuse à mes yeux. Je t'aime plus que tout ce que tu peux imaginer, mon amour est plus grand que l'univers entier, mon amour pour toi est plus profond que les océans. Je me languis de toi, je te désire. J'ai quitté les cieux, le bonheur du ciel, pour m'incarner, pour venir à ta rencontre, pour me rendre visible, plus pour donner ma vie pour toi, pour te montrer jusqu'à quel point je te désire. Oui, je te veux, je te désire. Ouvre-toi, reçois ma présence. Écoute, alors tu pourras m'aimer. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, alors tu pourras t'aimer toi-même et aimer ton prochain comme toi-même. Alors l'amour aura sa victoire. Alors l'univers trouvera sa finalité, son but, ce pourquoi je l'ai créé cet univers, dit le Seigneur. C'est pour qu'il y ait un vin de joie et d'amour et qu'il y ait cet épanouissement extraordinaire du don réciproque l'un à l'autre. Oui, je t'aime. Ouvre-toi, écoute, reçois mon amour. Et ensuite, sois rempli de cet amour pour que, à ton tour, tu puisses aimer. Seigneur, envoie ton esprit d'amour dans le cœur, l'intelligence, la volonté de mon frère, ma sœur. Reçois l'esprit d'amour de Dieu. Amen.